Nous nous retournons immédiatement au Heysel où on vient d'apprendre qu'il y Oui, la aurait des première charge morts semble, dans en les tout cas ici, ça tribunes. semble être C'est encore à la mettre au première charge. conditionnel, mais on voit très bien que la tribune est jonchée de corps et vous voyez, les secouristes Oui, manquent de il civières. Ils sont semblerait qu'il y ait obligés des morts. d'utiliser des barrières Oui, nadar pour transporter les corps des blessés et je vous le dis même, peut-être des morts. Arsène Vaillant, vous êtes sur place, est-ce que vous avez eu des informations à ce propos? Bon, ben comment dirais-je, justement, nous étions en train d'en discuter il y a quelques instants. On nous a dit qu'il y avait des morts. Quant à dire combien et si c'est exact, ça, je ne puis absolument pas vous le certifier, étant donné que je suis à ma position de commentateur dans la tribune et j'assiste à tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dehors. Je n'étais pas dans la bagarre non plus, fort heureusement d'ailleurs, parce que moi, je veux bien être commentateur sportif, mais pas non plus correspondant de guerre. Hein, je me sens, voilà, encore un gars qu'on transporte dans un état qui ne semble pas être des plus brillants. Alors, je suppose qu'on va venir tout de même dans les minutes qui vont suivre, nous donner des informations. Et j'espère, mais alors j'espère de tout mon cœur, qu'il s'agit là de fausses rumeurs, d'exagérations. Mais enfin, je crains malheureusement que la chose soit parfaitement possible. On voit regardez, cas... regardez ce corps qui vient d'être déposé sur le brancard était totalement inerte. Hein. Oui, on voit en tout cas que la tribune est jonchée de corps. Oui, oui, oui. On ne il y voyait en a pas tout beaucoup. à l'heure, on s'aperçoit maintenant que Oui. la tribune est jonchée de corps. Oui, bien... En fait, ce n'est pas la tribune. Hein. Où ça se trouve là, c'est dans, disons, sur les gradins derrière. Enfin, pour ceux qui connaissent bien le stade du Heysel, il y a la tribune principale et puis la tribune d'en face. Et c'est sur la gauche, derrière l'un des buts que tout cela s'est passé. Du côté droit de cet endroit, il y avait les supporters de Liverpool qui étaient parqués. Alors, on a peut-être commis une erreur en ne mettant pas carrément un rideau de policiers entre eux. Il y avait bien des barrières, bien sûr, mais peut-être aurait-il fallu mettre, enfin on ne sait jamais, on ne sait plus quelles précautions ils font prendre. Une solution aussi était évidemment d'amener ici des autopompes et à la moindre tentative de l'un ou l'autre, eh bien d'y aller à grands coups. De toute façon, c'est dramatique, mais vraiment dramatique et c'est lamentable ce qui s'est passé ici au stade du Heysel à l'occasion de cette finale de Coupe d'Europe. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des provocations, Arsène? Est-ce qu'il y a eu des... Mais non, écoutez, de toute façon, il y a un fait social, hein, qui n'y a rien à faire. Nous sommes une période de violence et il y a parmi ces supporters ou ces soi-disant supporters, il y a ce qu'on appelle des casseurs. Ce sont des gars qui vont partout où il y a moyen de casser, de créer des incidents et hélas, cela s'est passé ici aujourd'hui. Alors en plus de ça, vous savez que les supporters britanniques, ils aiment bien la boisson, ils aiment bien notre bière probablement, mais enfin, il n'y a pas que quand ils viennent chez nous qu'ils se conduisent comme ça. Même en Angleterre, à l'occasion des matchs de championnat, il y a aussi des incidents. Mais ici, de toute façon, c'est vraiment très grave ce qui s'est passé. Et je vous dis... Bon, il est possible qu'ils aient été provoqués par des supporters de la Juve. Je n'en sais rien, c'est très difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que la première forte charge, vraiment la première grosse offensive, a été l'œuvre des supporters de Liverpool. Et je vous... quand même pas mal de minutes, même disons une bonne heure avant ces incidents ici, je montais encore en direction du stade. Et il y avait là des corps qui étaient... allongés par terre, vraiment imbibés de boissons. Et là, ce décor que nous voyons ici, ben, c'est tout autre chose. Ce sont des images absolument épouvantables. Il y a environ 3 semaines, il y a eu cette véritable tragédie de Bradford, mais qui était d'un genre essentiellement différent. Ici, c'est vraiment la violence qui a joué. C'est profondément regrettable, d'autant plus que, je le répète, une finale de Coupe d'Europe, eh bien, en principe, ça devrait toujours être la grande fête du football. Et là, ce n'est pas le cas ce soir. Bien, merci Arsène. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, nous vous retrouvons en direct de toute manière sur la première chaîne à partir de 8 h pour le reportage de ce qui devrait en principe être un match de football de Coupe d'Europe.